Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo, m'adresser à un jeune Guinéen qui est un peu connu par des personnes. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est devenu l'habitude pour les Guinéens. Ils font exprès de faire les choses. Après, ils regrettent, ils reviennent encore pour essayer de dire à la jeunesse que ça, c'était pas mon intention, ça, c'était pas ci, ça, c'était pas ça. Je vais adresser cette vidéo à Ahmed de Paris. Et Ahmed de Paris, j'ai bien lu votre publication concernant les présidents Peul en Afrique de l'Ouest, Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, tu oublies un détail d'abord. Les réseaux sociaux, avant de parler, il faut réfléchir. Avant d'écrire, il faut réfléchir. Parce qu'une fois que c'est sur les réseaux sociaux, même si tu retires, ça trouvera qu'on a fait des captures d'écran où on a enregistré les images. Si tu as remarqué, Ahmed de Paris, je dis tout le temps dans mes vidéos, je suis responsable de mes actes et de mes paroles, Ahmed de Paris. Donc, mon cher, je vais t'adresser cette vidéo, Ahmed, parce que tu commences à exagérer, mon frère. Ahmed de Paris, tu commences à exagérer, mon frère. Arrêtez de jouer avec des mots, Ahmed de Paris. Arrêtez de jouer avec des problèmes ethniques, Ahmed de Paris. Le pays présentement vit un moment très fragile, Ahmed de Paris. Tu as fait une première erreur, Ahmed de Paris. Tu as fait une première erreur. Quand toi, Elie Kamano, Fonike Mangue, vous êtes parti chez Kassori Fofana fin 2017, début 2018, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu un problème d'argent entre vous et Kassori Fofana, Ahmed de Paris. On a essayé de résoudre ça en privé, Ahmed de Paris. Ce jour-là, tu t'es attaqué à un de mes éléments, Ahmed de Paris. Mais on a essayé de te donner une seconde chance, Ahmed de Paris. Là-bas, tu as pris 40 millions de francs guinéens à Kassori Fofana. Ce jour-là, tu as pris 40 millions à Kassori Fofana, Ahmed de Paris. On a essayé de régler ça dans l'ombre, Ahmed de Paris. Mais Ahmed de Paris, je vais te dire quelque chose, Ahmed de Paris. Personne ne va jouer au peuple guinéen maintenant, Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, tu n'es pas un jeune de conviction, Ahmed de Paris. Arrête de mentir aux jeunes guinéens. Arrête de tromper les jeunes guinéens, Ahmed de Paris. Je t'ai beaucoup respecté, Ahmed de Paris. Je t'ai beaucoup respecté. Mais le jour que tu as pris 40 millions à Kassori Fofana, moi, on m'a dit que je t'ai classé. Ce jour-là, Ahmed de Paris, tu étais là-bas. Elie Kamano était là-bas. Fonike Mangue était là-bas. C'est Fonike Mangue seul qui a refusé de prendre l'argent au gouvernement. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, c'est Fonike Mangue seul qui n'a pas été acheté par le gouvernement. C'est Fonike Mangue seul qui a dit non à l'argent de Kassori Fofana. Toi, Ahmed de Paris, tu as pris les 40 millions à Kassori Fofana, tu l'as empoché, Ahmed de Paris. Qu'est-ce que toi tu peux dire à la jeunesse guinéenne? Avec le respect que la jeunesse avait pour toi, considération que la jeunesse avait en toi, depuis que tu as pris les 40 millions à Kassori Fofana, moi je t'ai classé. Et pourquoi je fais cette vidéo contre toi, maître de Paris? Arrêtez de jouer des mots avec les mots. Arrêtez. La Guinée est fragile aujourd'hui. Ahmed de Paris. Mon frère, arrêtez. Tu as bien écrit que tu n'accepteras pas les présidents Peul en Afrique de l'Ouest.
Est-ce qu'un jeune responsable, peut dire ça? Un jeune digne peut dire ça? Un jeune qui est là pour son pays peut dire ça? Après, tu sors encore que les gens n'ont pas compris ce que tu as écrit. Ahmed de Paris, tu penses que les Guinéens boivent par la narine? Tu penses que les Guinéens sont bêtes? Tu penses que c'est le caca de vase qui est dans notre tête, Ahmed de Paris? Ce que tu as écrit là, c'est ce que tu penses. Et tu tournes autour du pot. C'est pas le président en Afrique de l'Ouest. Tu veux pas que Sendoudalen devienne président en Guinée, Ahmed de Paris. Tu veux pas que Sendoudalen devienne président Ahmed de Paris. Et il faut faire attention, sinon je vais rentrer dans d'autres dossiers devant les Guinéens où je ne vais pas rentrer. Parce que tu n'es pas un homme de conviction, Ahmed de Paris. Toi, tu veux l'argent. Toi, tu demandes l'argent. On sait les personnes qui passent aujourd'hui voir Sendoudalen Diallo pour demander de l'argent à Sendoudalen Diallo. Je vais vous dire aujourd'hui, vous êtes des apatrides, mon frère. Ahmed de Paris, tu es un opportuniste. C'est Madi qui te dit. Tu es un opportuniste. Et si tu continues comme ça, je vais aller très loin. Je me suis préservé. Si tu as remarqué, tu as fait beaucoup de bêtises, mon frère. Tu as fait beaucoup de bêtises. Je ne me suis jamais attaqué à toi. Mon frère, mets de l'eau dans ton vin, Ahmed de Paris. Mets de l'eau dans ton vin. Arrêtez de mentir, de faire croire au peuple guinéen. Vous donnez des titres, des valeurs que vous n'avez pas. Parce qu'un humain qui n'a pas de dignité, mon frère, tu n'as pas de valeur. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Ahmed de Paris, tu es vendu, Ahmed de Paris. Tu as pris l'argent au gouvernement guinéen. À un moment donné, toi, Ahmed de Paris, tu as quitté Alpha Condé parce qu'on t'avait promis un poste au sein du gouvernement par les relations de ton père. Par les relations de ton père. Je ne voulais pas mentionner le nom de ce monsieur-là ici. Mais vous êtes des opportunistes, Ahmed de Paris, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est vous, les personnes comme vous, vous passez clandestinement, allez voir Sendoudalen Diallo, allez voir Hadji Ali Matoudalen Diallo et d'autres, réclamer de l'argent. Si on ne vous donne pas de l'argent, vous venez sur les réseaux sociaux, attaquer indirectement la communauté Peul, attaquer indirectement Sendoudalen Diallo. Mon frère, arrête de mentir, quoi, Ahmed de Paris. Ton intention, c'est ce que tu as écrit sur ta page. Moi, je n'ai pas répondu à ça parce que tu veux de l'attention. Je ne voulais pas te donner de l'attention. Mais quand tu es ressorti, dire que ta femme est Peul, ta grand-mère est Peul, on s'en fout. On s'en fout. Même si ta marâtre est Peul, on s'en fout. Même si ta arrière-grand-mère est Peul, on s'en fout. Le mot que tu as mentionné, c'est des propos ethniques à mettre de Paris. Aujourd'hui, notre génération, nous devons donner l'exemple aux Guinéens et Guinéennes. Que le président soit Peul ou Malinké ou Kissi ou Guerzé, on s'en fout. On veut un président rassembleur. Un président qui peut être là pour tous les Guinéens. Mais le mot ethnie, en âme et conscience, un jeune comme toi, tu ne dois pas mentionner ça. Les Peuls ne méritent pas d'être président en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, Afrique du Sud, même au Canada. La nouvelle consul du Canada en Guinée, elle est Peul. Ça, c'est le Canada. Le Canada n'est pas la Guinée. Va te renseigner. La nouvelle consul du Canada en Guinée, elle est Peul. Et les Blancs n'ont pas dit que c'est Peul. C'est toi, Ahmed de Paris, qui doit dire qu'il va avoir des présidents Peul en Afrique de l'Ouest. Mon frère, arrêtez vos démagogies.